Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales. On est avec Gaelden et Damned. Salut les gars. Salut tout le monde. Hello. Et on progressait. Ah, t'as déjà inspecté du coup là Non. Gaelden? Ah non, ok. Ah bah tiens. Oui, de l'alcool, du chou, de la carte. C'est pour De la Damned. salade. Est-ce qu'on a de quoi Ouais. porter tout ça? Ouais, c'est du 0,5, y'a moyen. Ah, la carpe c'est lourd. Hein. Non, c'est trop lourd. Pas trop, hein. C'est compliqué, hein. C'est trop lourd. Voilà. Et bien là. 216 Voilà. sur 210. Le grès, on... Oh, la vache. Ouais, on peut peut-être se débarrasser du grès, ouais. Réinspecter le truc et reposer dedans. Ah merde, j'arrive pas à le voir. C'est pas grave, On le drop. on drop. Ça va peut-être pas suffire, hein, Ouais, c'est que mais. 0,5, hein, c'est pas tant, hein. C'est le drame. Est-ce que sinon on peut construire des trucs pour consommer des... Peut-être tu peux peut-être cuisiner des choses, Damned? Non, t'as dit que C'est t'avais tout pareil, on a des cuisiné. échantillons pestiférés, on en a 12, ça prend 0,5, donc Et ça fait quand même il 6. reste pas des carcasses à bazarder? Non, carcasse, j'en ai plus. Ouais, Enfin, j'ai du les rat. échantillons Après, pestiférés, faut les garder, hein. j'ai. En vrai, les 7 rats, Ouais, Bah 3 oui, bah, plus c'est très bizarre. 0,5. Ça fait 0,5 pièces. Hein. Ouais, ça descend un peu, voilà. Après, sinon, hein, je peux jeter. Bah, tant pis, hein, je peux jeter les 3 perches et ça nous fait descendre à Non, bah 209. tant Hein. qu'à faire, je vais jeter mes torches qu'on a entamées, c'est déjà ça. Ouais. Je sais pas. Bah Je sais pas. j'en avais 4 en tout, dont 2 qu'on a entamées sur un nid, autant s'en débarrasser, comme ça c'est fait. Puis bah réparer un peu, hein, les matériaux bruts c'est lourd aussi. Hein. Ouais, puis le cuir, tout ce qu'on a en cuir, c'est 0,5 à chaque fois, mais bon, ouais, on n'a Le pas le fer, choix. c'est le fer qui fait super. Non, mais il faut qu'on Aussi. exploite. Il faut qu'on Il passe en faut qu'on ville aille en ville. Ouais. fabriquer des trucs. Hein. Oh oui. Oh yeah. Allez, Oh y a pas yeah. un petit truc à 0,5 là à virer? Non, mais on va trouver, attends. J'ai des Tac, cartes à tac. jouer qui coûtent 5 balles. Tiens, j'ai une croûte là. Il suffit de poser le regard sur cet horrible portrait pour sentir ses yeux piquer. Allez hop, ça dégage ça. Voilà, Voilà. on est à 209,9, parfait. Je vais sauvegarder. Le Tac. premier qui ramasse une fleur, il s'en prend une. On ne Va prend courir. plus rien. Va courir. Tiens, il y a un marchand là. Ah, on a Ah! chopé des loups. Ah bah super. On peut tous les attraper, ouais, pour qu'ils nous rajoutent du transport. A ou 2, A ou 3 ou 4. Alors, il y a un alpha. Ok, il y a un alpha. Je les ai même pas vus les loups, quoi. Je sais pas d'où ils sortent. Là, il y a moyen d'en taper. Oh, ils sont bien paquets. Il y a Gaelden qui bave là. Alors, est-ce Tapez, que du tapez. coup, je tanque l'alpha et puis après tu vous mettez des grosses tatanes? Ou je défonce tout le monde direct. Bah non, il va jouer l'alpha direct. Bah, ça dépend. Si je suis le premier à jouer, moi je fais 24 de base. Plus 15. Il y a deux alphas, on peut peut-être capturer un alpha du coup. Il nous faut 3 cordes dans l'inventaire. Ah, je crois que j'en ai trois, mais je suis pas sûr. Voilà, l'alpha, bon, je dépense. Non, même pas, je dépense même pas de points. Mais je le tue en un coup. Bah écoute, allons-y, hein. Moi aussi c'est un peu loin par contre, je pense, Damned là. Tu veux le Ouais. rapprocher. Excusez-moi, j'ai pas bien regardé où est-ce qu'il était. Oula oui! Viens là, toi. Il est au centre, à la limite. Hein. Comme ça, on peut partir d'un côté ou de l'autre. Allez, voilà. Bon bah allez, vas-y, Allez. Gaelden. On va tester la nouvelle. Ah oui, t'as ton nouveau ta nouvelle masse en plus là. Ah Très merde, joli. j'en ai que deux. Quoi? Ouais. Putain, franchement, ils nous ont du rêve quoi. Ouais, je le tue en un coup, tout ça. Ouais, je le tue en un coup, Là, on tout aurait pu ça. le capturer pour le coup. Je sentais que Ouais, t'étais mais vexé. j'avais pas les cordes. Non, t'as eu raison, Je mais j'avais pas les cordes. crois que j'en ai 3 sur dans mon inventaire, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que je fais? Je reviens vers le Ouais, groupe. reviens, on va s'en occuper avec quoi qu'il y a Ardarine. Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison. Puis avec le soutien de Damned, ça va le faire. Ah merde, Du j'ai perdu. coup, ceux qui jouent après, c'est ces deux-là. Bah du coup, je vais en tanker un avec Quack et puis Ouzmoy se fait les deux. il tape deux zones, Zmoy. Ouzmoy. Opération, oui. Oui. Non, non, en haut. Les deux du haut là. Ouais, là. Non, l'autre groupe, le L'autre groupe. groupe, les deux qui restent là. Ah, ce haut-là, pardon. Ouais, ce Celui-là. haut du bas.
C'est haut de gauche. Ouais, c'est ça. C'est haut de gauche, ouais. Ouais. Vous pensez que ça va passer? Ouais, ça devrait passer. Tu vas pouvoir en 28. tuer deux. Tu vas pouvoir en tuer un, peut-être. Les deux, j'y crois pas, mais... Bah, pour pouvoir tuer les deux, faudrait faire un déchaînement avant, mais bon... Parce que déchaînement, c'est 50% de plus, donc tu passes de 14 à 28. Tu fais combien de... Ouais, tu de fais... Ah ouais, le problème, c'est que si tu fais un déchaînement, tu vas t'engager. Et... Oui, bon, ça c'est pas très grave, si. Bah si, ça veut dire que tu pourras pas te tourner pour éventuellement toucher le deuxième. Avec ton attaque de zone. Quand t'es engagé, t'es obligé de faire ton attaque de zone juste devant toi, quoi. Ah, ça je ne savais pas, cette information. Bon, je peux quand même aller leur mettre... Ouais, Malvinette aura pu aussi, j'ai pas pensé. Bon, Malvinette s'occupera des trois autres. Tant pis ! Voilà. Ouais, c'est tout. Tu peux pas te coller à l'un des deux et faire le déchaînement ? J'ai plus de mouvement. Ah merde. C'est mort. Je pouvais plus rien faire, c'est la galère. Ouais, du coup tu vas prendre les deux sur la pouille. Ouais non, je vais aller en chercher. Pas grave, pas grave. Je vais me mettre au pire, derrière là. Ce sera l'occasion de réparer les armures. Hop. Alors est-ce que j'ai l'option pour l'attraper? Non, donc je dois pas avoir de corde, même pas une. Tant pis. Non, c'est ton attaque. En fait, ça remplace l'attaque de base. Ouais, bah oui, mais ah oui, alors peut-être que comme j'avais déjà fait mon attaque de base, ça oui, va pas ça. Remplacer, ouais. Ouais. Bah, on verra. Allez, Malvinette en force. Malvinette, elle va aller là. Tac. Le coup de pied dans les crocs. Non, parce que si tu fais ça, t'engages. Et bim. Elle bon, va je sais pas aller pourquoi ils nous ont attaqué, mais c'était une mauvaise idée. Hein. Et elle va aller là. 38, putain! C'est complètement pété! C'est abusé quoi! C'est vraiment abusé! Même Ardarine il est abusé quoi! Cette équipe, faut vraiment qu'on change de zone! Hein. Je vais peut-être aller tanker la fin du coup! Ouais, ça je suis assez pour! Et puis Malice ou Damned. Alors l'autre il va m'aggro aussi, donc tant qu'à faire je vais me coller, ouais. Quitte à ce que Malvinette fasse le tour après pour taper! Non mais rien n'est ça, même le signe il fait mal quoi. On a Galva hein. Donc, oui on a la Galva je sais. Bon il fait pas 38 j'avoue. Bon bah Malice ouais. Si tu veux mettre une flèche dans les fesses. Ça va le désengager mais c'est pas très grave. Ouais ça bon, c'est le one shot. Sauf si je bon, le one shot. Il suffit de dire. Oups. Oh un bien ah grand non. Cri pour un si petit truc. C'est clair, oh non, ils ont fait une attaque. Prochain combat, ils nous touchent pas, hein, on est d'accord, hein. Objectif. Hein. Ah, j'avoue, je sais pas s'il y a un succès de pour ça. Faire un combat en prenant aucun dégât. Peut-être. Ouais. Ça me paraît chaud, ça me paraît chaud quand même. Franchement. Enfin, ça ouais, serait un chaud. Combat vraiment trop déséquilibré, ça serait pas intéressant. Regardez là, elle veut prendre le kill là. Ah, moi je peux capturer, mais bon. Ouf. Bon ouais non bah tant qu'on n'a pas la compétence de Malice, on a vu que c'était pas forcément utile. Oh, oh la violence. 38. Vas-y Quack. Bah non faut que tu passes le tour et que l'autre il m'attaque du coup. Oh merde. Putain j'ai mal joué, désolé. Ouais, bravo. Non mais j'ai bravo. Vu que tu voulais le kill là, l'autre elle est en ouais. Furie sanguinaire non, et tout. Hein. J'ai voulu pas réfléchir. Et ça s'est vu. Ça s'est vu. Ouais. Les carcasses non du coup. Et si on prend du loup éventuellement, je crois que je peux en cuisiner du loup. Oh, du putain, loup tu peux. Non bon on va dropper les trucs que tu peux pas cuisiner, c'est pas grave hein. Pire. Ouais les carcasses ouais. Bah hein, voilà. Hop, Malice pour réparer son armure. Prochaine fois il faut des cordes hein, des petits loups. Non ça fait un moment que je pourrais le faire, je le fais pas avec Malice. J'avais deux cornes dans mon armure. Prends rarement des dégâts. Pour le moment je temporise juste... alors c'est juste que tu peux moi j'ai chopé c'était sur un petit bout de partie solo que j'ai fait j'avais chopé un malus parce que je me baladais avec des armures pétées. Ah ouais, ouais. Ah ouais c'était un truc ça faisait je crois que ça faisait perdre je sais plus quoi quand tant que j'avais une armure qui était pas construite enfin, bon à la limite ça me le dira. Bah ça peut dire quand tu l'auras. Ouais tu peux pas l'enlever après quoi.
Non. Bon, cela dit, répare, hein, parce que bon, au final, ça va nous enlever du poids aussi, hein, ça consomme du matériau. On ah pas, oui, d'accord, c'est que tu peux plus l'enlever derrière. Bon, je ça fait un vieux malus, quoi, genre. Genre, tu te balades à poil, quoi. Ok, bah c'est bon. Ouais, ça fait de la place. Enfin, au final, non, mais. Ouais, c'est qu'on a chopé plein de cuir en plus, quoi. Tu peux cuisiner ton. Ouais, sinon, on peut essayer de cuisiner un peu, ça fera de la place. Yep. Se quand, vite fait. C'est lourd. Allez, oh non, pitié, je suis trop lourd, ne vous éloignez pas. Attendez-moi. Moi, je vais faire 6 saucisses de loup, ça devrait faire un peu de place. Quand c'est cuisiné, ça pèse moins lourd. Ah ouais, alors ouais, un petit peu, ouais, quand même. On a gagné 3. Alors je peux transformer des minerais de fer qui coûtent 0,5 en crochets qui pèsent 0,1 si vous voulez. Ouais, j'en ai 8 des crochets. Hein, mais... Bah écoute, je t'en fais 2 comme ça, ça fera toujours ça de moins. Et on bouffe, hein. Tant pis. Comme, hein. Ça, t'en auras 10. Après, à chaque fois qu'on fait un sommeil, on se rapproche de la solde, hein, donc du coup. Ouais. Bah de toute façon, la solde elle est inversée là. Ça sert à rien. Je vais quand même en faire une d'avance de ce truc là, ça consomme du cuir. Hop, voilà. Ouais. Gestion du poids, c'est plus compliqué. C'est moche quand même. Bah en plus on a pris le malus comme quoi on portait moins mais... Ah oui, t'as raison. On le savait hein, que ça serait problématique à un moment. Alors, on n'a pas fait les fontes. Hmm. On avait fait le poteau de l'attelage. On pourrait l'améliorer pour... Non, on l'avait déjà amélioré, on avait déjà amélioré. On pourrait prendre un poney de plus. Il y a une place qui manque sur le poteau d'attelage. Ouais. Mais non, je pense que pour l'instant on va virer la bouffe. Hein. Ce qui pèse le moins, ça coûte le moins cher. Je vais virer, j'ai des cartes à jouer là, ça fait 0,5. Le blaireau c'est que 0,1 pour 5, donc c'est quand même intéressant. Bah sinon tu nous fais faire dodo, Damned, et puis tu nous fais manger. C'est ce que je me disais, hein, franchement. Ouais, tant qu'elle bouffait, t'as raison. On verse la thune, on aura le 10% d'XP. Il faut de la bibine. Ouais, je vais en rajouter une en plus, comme ça on... Voilà. C'est bonus. Ils savent plus quoi faire, quoi. Ouais, c'est ça, vas-y, allez. Les mecs en a foutu, ils sont trop pétés de thunes et tout. Quoi, c'est cru, ça fait 2 semaines que c'est dans le sac. Oh, c'est ce qu'on appelle un petit peu travailler, quoi. Voilà, exactement. Allez, hop. La ferme du sous-bois. C'était là où on avait récupéré les Mycis. Ah oui, on avait déjà été. Il va peut-être vouloir repartir, il va dire, oh, c'était beau chez moi. Ah, il y a du champ. Allez, hop, tu chambres. Il y a toujours Carrie qui pleure. Hein. Ouais. Mais il est là, ton mec. Tu veux pas la consoler un peu, ce Moïsis, 2 secondes là. Il y a des trucs à piquer. Ah, connaissance plus 1. Ouais. Ça, c'est intéressant. Oui. Ouais. Ça, c'est clairement. Oh, oui. Du loup, je peux le cuisiner, mais enfin, bon, bof. Oui, non, je pense que là. Par contre, le traîner sur la peste, ouais. Hop là, allez. Pour le reste, on s'en fout, mais clairement, ça, on va le prendre. Tac. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui repopent, en fait, parce qu'on avait déjà vidé l'endroit, non ? Non, peut-être, non, on l'avait peut-être pas vu, hein, vu que... On avait des soupçons et on pouvait pas voler. Alors, juste, bah, on fait les fontes. On avait dit les recettes de forgerons, sinon, mais ouais, sinon les fontes. Hein. Recettes de forgerons. Ouais. Dans ce cas-là, il faudrait aller d'abord à la ville... Après, Ardarin, il porte rien, donc on peut lui mettre des fontes. Hein. On peut fabriquer des fontes tout de suite et lui en mettre une. Pour être un peu tranquille. Eh ben, go, allez. Hop, c'est fait. Comme ça, ça nous fera utiliser du matos. Hop, on s'éloigne un peu, on campe. C'est l'épisode où on gère l'encombrement. Quoi. C'est ça, c'est clair. L'épisode de l'encombrement. Amis viewers, si tu t'emmerdes, on est désolé. non mais c'est intéressant de voir aussi, voilà. Je sais pas en quoi voilà, c'est intéressant. La logistique c'est une partie aussi du travail. Alors Akatsuki, il a son fer à cheval, mais Ardarin, on peut lui mettre les fontes. Voilà.
Et il faudra lui mettre une armure un jour aussi. Ah bah c'est bien, 220, on est bien. Ouais, on devrait pouvoir rentrer et faire même la petite quête sur le chemin là. Rendez-moi mes tranches de porc cuit et cru. Ah, c'était pas du porc, mais c'était du... Attends, je sais plus quoi d'ailleurs. Du gibier, rendez-moi mon gibier cru. Rendez-moi mon gibier. C'est bon, gibier. Allez. Tiens, il y a des marchands là. Oui. On court. Attendez-nous. Touche shift, Damien. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le clavier sur les jambes. J'ai que la souris, excusez-moi. Le mec, il est vautré dans son canapé, quoi. Allez, on vend ça, on vend ça, et on vend ça. Voilà, c'est un bon paquet de thunes au passage. Et d'ailleurs, on les attaque. Allez, hop. Ouais, non, le misclic, attaquer. Non, pardon, c'est pas ça. J'arrive, ça y est, je peux courir. Non, si, c'est bon. Alors, du coup, au niveau de la carte, ouais, on traverse la forêt, et après les mines... attention, y a des nuages à gauche, là. Ça s'étend. Ouais, j'ai un souvenir que c'est pas terrible ça. Courez pas dedans. Ouais, je pense qu'on gérerait mieux maintenant, mais. Oui. Oui, oui, mais bon. Encore un combat long quoi. Ouais. Là-haut, c'est là-haut qu'il faut aller. On va faire un petit tour dans la grotte pour prendre du fer là. Je crois pas que dans celle-ci. Dans celle-ci, je crois qu'on peut pas en faire. Là, il y a du bois à couper, ouais, c'est ce qui me semblait. Mais j'ai pas de. Moi aussi, c'est. Non, il est plus forge. Il est plus. Non, je pense, moi aussi, on s'en fout. Il a pas du chambre. Ouais. On a plus de forgeron. Non, bah de toute façon, c'est bon, on a 21 bois, on n'est pas. Cette grotte là, je crois qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de fer. Ah, ils sont en haut les cons là, faut faire le tour. Ouais, ils sont en haut. Les cons, tout de suite tu juges. Bah, c'est des méchants qu'on doit tuer. Écoute, ça donne déjà une bonne idée. Ils sont peut-être très intelligents. Oui, c'est vrai, ils sont planqués loin donc. Où es-tu? Oui. Hop, par surprise. Dans la droite, à droite, à droite, ouais. Ouais. Wouah! Attaque surprise. Pofrae le glouton. Le glouton, d'accord. Et voilà. Et alors, du coup, s'il est glouton, il a une épée dans la main droite et il a une côte de porc dans la main gauche. C'est un hobbit, le mec. C'est ça. Il se bat avec une chope de bière. Alors, il y a des sapeurs. Ah non, les sapeurs, ils ont les ordres de tir, ouais. C'est pas ceux qui ont des flèches en flèche. Légionnaires, quoi. Ah, ils sont énervés, hein. Toutes les attaques de base font perdre 5% de la santé. Ah ouais. Ça pique, ça. Oh, ils vont être chiants, les spadassins. Le glouton, là, il va falloir le... C'est quoi, spadassin? Oh, se désengage, charge en ligne droite. Ah oui, ils sont chiants. Ouais, bah, ils sont tous chiants, hein. Le chef, il a la rafale de coups, 4 fois 6 dégâts. Les sapeurs, ils ont le tir d'opportunité. Les légionnaires, ils te repoussent, donc ils vont pouvoir nous désengager dans tous les sens. Ils vont être relous. Alors déjà, il faudrait aller chercher le sapeur. Il y a un piège là. Là, ici, là. Ici, là. Là, là, ouais, là où je fais une croix. Ouais. Bah, faut bien se les laisser le prendre, quoi. C'est pas moi qui suis dedans. Ouais, le problème c'est que j'ai bien envie d'aller chercher le sapeur pour qu'il nous fasse pas chier avec son tir. Ouais, mais je. À quel moment Zmoisis s'appelle maintenant Taurus? Ah merde. Ah, il s'est rappelé. Ah, c'est marrant. Ah, j'avoue. C'est parce qu'on est retourné dans sa zone. Ouais. Ah ouais, on a retourné son truc. Il dit non, mais regarde, chérie, je m'appelle toujours Taurus. Ah ouais, je t'aime toujours, hein. Bon, allez, je me casse. Moi. Parce que je voyais Taurus, je dis, mais qui c'est celui-là? Est-ce que... Très bien, désolé, c'est moi. Ou sinon, je le chope avec Malvinette qui marque aussi des points en s'engageant. Ouais, je pense que le sapeur, c'est quelqu'un que tu peux tanker avec Malvinette sans problème. Je peux me mettre là, je fais une attaque de zone, et derrière, je l'engage. Ouais, ça me paraît pas mal. Et en haut, est-ce qu'on peut gérer avec Gaelden et Quack, là? Il faut aller gérer le chef, hein. Parce que leur. C'est pareil, leur attaque de base. Ouais, ils vont nous piquer. Le buff de groupe, il est quand même vraiment méchant. Ah, je peux pas aller engager le chef, je suis trop loin si je mets quoi qu'ici. Non. Trop loin pour aller engager le chef, j'ai pas assez de mouvement avec mon équipement. Tiens. Bah, mais à la place d'Ardarine. Mais à la place d'Ardarine. Taurus pourrait, éventuellement. Là, je peux, ouais. Et le signe à la place de Damned. Gaelden tout seul. Gaelden tout seul, c'est chaud quand même. Hein. Il
va se faire défoncer. Avec un piège à ours au milieu en plus. Ouais, tu joues tout sur le piège à ours quoi. Je vais le renvoyer avec. Tu peux venir le mettre peut-être là. Ou... Attends. On laisse le groupe du haut tout seul. La place d'Ardarine, est-ce que... Ouais, c'est bon, je peux aller sur le chef aussi. Là, ouais, je vais Ardarine, je vais le mettre derrière, comme ça il va nettoyer un petit peu. Donc du coup, Malvinette engage le sapeur, et après on va chercher le chef. Pareil, tue le sapeur, hein, disons les choses. Oui. On en attend pas moins. Mots. Objectif zéro blessure, exactement. Ouais, je pense que c'est légitime de dire qu'elle le tue. S'il te plaît, monsieur. Donc, je vais chercher le chef du coup. Ouais, l'autre sapeur qui joue sinon. Ah merde. Attends, est-ce que. Je peux aller chercher avec le signe. Ah, est-ce que tu peux mettre de la zone là je peux taper les deux avec Gael. Ah ouais. Tu vas tellement te faire défoncer par le groupe de 3 en haut là. Bah ensuite il faut envoyer un quack. Ouais, faudrait que quoi qu'il aille se mettre devant. Bah go, hein, vas-y, tabasse. Hein. Alors c'est juste que si je veux taper les deux, je pourrais pas lui coller fureur. Donc il faut que j'arrive à le... Ah ouais, mais il va avoir déstabilisation avec impact empoison derrière. Au moins que ça passe. Oui, je pense qu'il y a moyen qu'il souffre. Hein. Allez. Allez, vive ! Il n'y a même pas besoin de la déstabilisation comme ça. Si, si. Vive. Voilà. C'est propre, c'est net. C'est lavé avec Merlène. Du coup, je vais mettre peut-être quoi que sur le chemin en haut. Pour qu'ils aient envie d'aller le chercher lui. Il peut aller choper le spadassin ou pas ? Non. Malheureusement, non. Mais je peux me placer genre par là quoi, et puis je tape pas, bon en même temps c'est pas pour que je coche tape. Et comme ça ils viennent me chercher moi. Ensuite il fait pas super mal. Je peux me prendre un coup avec Galen. À la limite je préférerais presque le glouton il soit terminé. Ouais on finit le glouton. Est-ce que Malice tu fais combien? Malice c'est la moyenne, hein, une petite flèche dans les fesses du glouton là. Dans sa cuisse tendre et ouais. Et moelleuse, exactement. Elle fait 12 à 22, il a 23 PV quand même. Ouais, mais c'est Malice. De toute façon, c'est elle qui fait le plus de dégâts. Hein. Tauris, il peut pas aller le chercher. Tauris, c'est pas le signe qui va lui faire mal, ni Damned, donc... C'est pas sûr, c'est à la chance. Hein. C'est Malice qui a le plus de chance, on va dire, techniquement. Malice, si tu nous écoutes, sache que tous nos espoirs résident en toi. Si tu veux abandonner... ne t'en voudrons pas. Bon. On s'excuse pour la boue tout à l'heure. Et bah voilà. Le 1 PV. Et je peux même pas lui caler un barrage. De toute façon, il va pas bouger tout de suite. Non, bah j'irai le finir avec quelqu'un, avec peut-être avec quoi quoi. Putain, le 1 PV quoi. Ouais. Il est trop loin maintenant pour le signe. C'est ça. Désolé. Non, bah t'inquiète. Hein. Ok. Oh les relous quoi. Alors du coup le prochain qui joue, bah c'est le glouton, donc du coup autant le finir hein. Ouais, le problème c'est que... Ah, qui est à portée pas... pour le finir? Bah y'a que Quack. Y'a que Quack, et, ouais. Et du coup ça veut dire que Galen va prendre des coups de tout le monde. Non, je pourrais peut-être passer à côté et... Je chopperai pas le légionnaire, il est trop loin. Donc c'est bon. Le légionnaire est trop loin de toi. Ah, oui. Je prendrais juste le spadassin qui me t'approche. Il va charger, ouais. Ils font pas beaucoup de dégâts, les spadassins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le minimum de dégâts de mouvement possible. Hop. Au pire, tu. Oh, j'aurais bien aimé une petite décapitation après, là. Ça aurait été classe. Tu peux faire une petite, un petit encouragement à la limite. La décapitation, après, il lui coupe les bras, les jambes. Il jette le tronc en l'air. Ça sert... Ah oui, non, c'est pardon, l'encouragement, c'est pas celui qui fait gagner des points, pardon. Voilà, comme ça, en plus, ça protégera aussi Malvinette. Et je vais aller vers le haut, quand même, histoire de gagner un peu. Voilà. Pas mal. Okay. Bon move. Du coup... Le légionnaire, il va chercher Malvinette, quasiment sûr. Le signe peut aller choper le légionnaire qui est là. Ouais, je pense que c'est le mieux. Il va me désengager après, quasiment certain.
Sauf si Taurus l'a tué entre temps. Ouais. C'est vrai, je vais me mettre derrière, comme ça. Ouais, comme ça. Obligé comme ça. De tourner le dos à Taurus. Hop. Ah bah c'est mou, ouais, hein. Le signe il est pas là pour taper, hein. Ça, c'est clair. Ah merde. Ouais, je me demandais s'il pouvait faire des dégâts aux deux. Donc ok, il peut faire des dégâts aux deux avec cette compétence. Intéressant. Ah ouais, ça engage pas, merde. Ouais non, ça repousse, ouais. C'est pour ça. Bon. Bon, il fait 12 ça. De coups critiques et derrière il refait 12 quoi. Ouais, ça suffira pas. Non, ça suffira pas. Dommage. Il manque vraiment, le courroux sur. Ouais. Wouhaha. Et puis là, ils sont bien placés pour un bon coup de marteau là. C'est ça. Bon, je te l'ai dit, lui, je devrais pouvoir le finir. Tu peux le finir. J'espère, j'espère quand même. Quoique, c'est pas dit, hein. C'est pas gagné d'avance, et non. Alors, mon petit Damned, si je peux te donner un conseil, laisse toujours. Te colle pas complètement. Parce que je l'ai engagé. Non, c'est pas ça. C'est que du coup, tu vois, Ardarin par exemple, il va pas pouvoir l'aggro le général, il va pas pouvoir lui TP. Ah ouais, putain, c'est parce vrai. Parce qu'en fait, y a pas d'accès à son socle. En fait, entre Taurus et Damned, tu l'empêches de. Ouais. En fait, c'est pas forcément de coller, c'est être décale... parfaitement aligné, quoi. Tu vois, t'es tu exactement aligné avec son carré. Décale d'un. Ouais, d'un pouce, ouais, il manquait que dalle, ouais. Ouais, j'étais tellement persuadé que j'allais le buter. Ouais, on va se faire une lance, t'inquiète. Avec un peu de bol, on récupère la lance du chef, elle est pas mal. Elle permet d'attaquer 4 fois. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal, ouais. Elle est propre. Ouais, avec un peu de chance. Alors, ça va encore être Gaelden, hein. Voilà, hein. Désolé, c'est pas hein. Plaisir, hein, mais. Oh la vache. Fit. Les bruits, quoi. Ah. C'est vrai qu'on a pas fait de bruitage pendant cet épisode, tiens. Non, c'est vrai. Genre le mec qui se retourne quand même que... Je suis impatient qu'il soit au niveau quand même et qu'il ait carrément un tronc d'arbre dans les bras, Gaelden. Hop, allez, je me suis écarté. Oh, y a aucune masse qui n'arrivait à ma puissance, j'ai carrément décidé de prendre un tronc d'arbre. Je prends le kill. Et deuxième... Deuxième kill pour Quack là, il veut son niveau 5. Il en a gros. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas la peine d'aller tanker le légionnaire, de toute façon il va me sortir. Ensuite, c'est Damned qui tue. Ouais, je vais le terminer, ouais. Normalement. Vas-y, Damned. Ouais, voilà. Bravo, t'es trop fort. Voilà, ouh, bravo. Il y a des petits guillots au ventre. On en veut encore. Est-ce que Malvinette le termine? Non, moi, y a pas la fureur là dans le métal. Ouais, bah je vais y aller avec Malvinette. Hein. Hop. Des petites frappes déstabilisantes avant. Allez. Ouais, bon. Oh, je m'ennuie. Mouais. Off. Allez. Aïe. Tu fais le tour avec le signe? Ouais, je le force à se retourner, ça sera toujours ça de pris. Et ensuite, une petite flèche de malice. Alors, on dit un truc, le signe fait exactement le contraire de ce qu'on... Quoi? Bah, tu t'es collé complet. Bah non. Même si là, c'est moins grave. Si, en fait, c'est l'idée, c'est que ce... c'est qu'il y a... Ah oui, non, mais aligné, tu veux dire? Oui, bah oui, ouais. Bien sûr. Mais c'est... je voulais qu'il se tourne complètement. Vas-y Malice, une petite flèche dans les fesses. Juste pour le plaisir, je cale la riposte. Voilà, je vais peut-être un peu gêner tout le monde par contre, mais tant pis. Ah. Oh, ça va. Ouais, comme ça il va me taper et je vais riposter. Non. Ah non, le salaud. Non. le salaud. Oh, le nope quoi. Ouais, c'était la négation là. Bah, de toute façon, de là je peux pas toucher, ouais. Donc je vais pas y aller, ça sert à rien, je bouge même pas en vrai. Non, vous allez le finir, laissez tomber, c'est du mouvement pour rien. Oh oh, dommage Arda. Non, c'est pas pour toi, t'es trop jeune. Bon, allez-y, hein. Je crois qu'on a le temps de jouer. Ouais, je crois.
Allez-y, faites-vous plaisir. Tu te tapes. Allez. J'y vais. Et regarde. Hop. Ah bah voilà. J'allais faire un commentaire. Tiens, ton commentaire. Allez, vas-y, Malice. Prends-le, ce kill. Ah, j'aurais bien laissé aussi, mais je suis sûr qu'il pourra pas le finir. Ah non, ouais, 20 PV, c'est trop pour moi. Bah, donne-lui un coup quand même avant. On sait jamais que j'arrive pas à le tuer avec une flèche. J'y crois pas, mais vas-y, hein. De toute façon. Et puis, il y aura un malentendu. Ouais, dommage. Sur un critique, c'était bon. Le pauvre, il se fait balader dans tous les sens, là. Ah, il sait plus regarder, surtout qu'il va se prendre une flèche dans le cul. Quand t'auras passé ton tour. Ouais. Pardon ? Hein ? C'est exactement ce qu'il devait faire. Non, on l'espère, derrière il me finit. Oh la vache ! C'est le critique. Ouais, ça aurait été mieux tout à l'heure, mais... Même Malvinette est enfoncé, quoi. Ah, dommage. Il y a une belle armure intermédiaire, là, qui peut peut-être vous plaire. Ouais, mais on n'a pas la lance, effectivement. Mais on a un bel arc aussi. Je vais peut-être le récupérer, sauf que je perds en mouvement. Je vais regarder l'arc, mais je crois qu'il est moins bien. Ah, je suis quasiment... C'est assez particulier, le truc qu'il a. Je connais 30 pas. Plus 10, c'est 20. Ok, c'est parti, 20. C'est quoi, ordre de tir, cible une zone, effectue une attaque d'opinion contre le premier. Ouais... Bah, c'est la même armure que ce que j'ai avec Malvinette. Alors, regardez le tir vicieux. Je pense que pourrait peut-être aller à quelqu'un comme Malice, ou peut-être Damned, pour le coup. Tu disais tout à l'heure que l'armure que t'avais te donnait des critiques. Ouais. Ouais, elle me donne pas des chances de critique, elle me donne des dégâts critiques. Ouais, mais le critique c'est mieux que les dégâts critiques. Ouais, plus t'as de chances de taper, même si tu fais un peu moins. Ah, j'ai 7%, je peux. Ouais, c'est pas mal. On va la prendre et du coup, l'autre. Faire ça. Oh, c'est quand même. C'est quand même pas si mal. Ouais. On a débloqué mercenaire prestigieux. Je sais pas ce que ça fait, mais... Un titre ? Où est-ce qu'on peut voir mon titre ? Et j'ai mon niveau à passer. Alors, qu'est-ce que je peux prendre avec Damned ? Esprit d'équipe. Tant que cet ennemi est... Cette unité est adjacente à un allié à la brutalité. Ah ! C'est pas mal, plus 30% de dégâts. Je suis souvent collé à quelqu'un. Chaque fois qu'un allié adjacent est attaqué en mêlée, inflige 8 dégâts à cet ennemi. L'attaque à distance applique des stabilisations par un round, mais je fais pas d'attaque à distance. Oh bah bon, esprit d'équipe, c'est pas mal, hein. Ouais. Bah, je suis souvent dos derrière quelqu'un, donc 30% de plus. Et j'ai plus de... Ah oui, on avait plan de carrière, c'est vrai. Ah, c'est là. Ouais, si tu peux pas choper du mouvement, je sais pas si... Mouvement... Bah, mouvement non, par contre, j'ai... Ah si, on peut mettre 2 points même, en pensant plus d'influence. Ouais, ça te fait dépenser 40 d'influence, mais c'est pas grave, franchement. Parce qu'en gros, là, ça me file gratos, hein, si je dépense pas, j'ai 2 plus dans le critique. Mais bon. Je suis déjà à 10%. T'as combien de mouvements ? 11. Ouais, prends-en plus. Franchement, le nombre de fois où on s'est retrouvé coincé parce qu'on avait passé le mouvement, je trouve que c'est quasiment plus important que quasiment tout le reste. J'allais dire, j'ai dépensé 40 d'influence, mais je viens de voir le stock qu'on a. Ouais, non, ça, tu peux y aller. Hein. Et du coup, mercenaire prestigieux, c'est un truc dans commerce et artisanat qui fait qu'on peut prendre un contrat de plus. Donc c'est pas mal quand même. Ouais, ok. Pas mal. Où est-ce que tu vois ça, non ? J'ai cherché en fait, et en fait dans la voie commerce et artisanat, ça s'est débloqué tout seul, on n'a pas besoin de payer pour. Ah ouais. Alors, je sais pas si on l'avait avant ou si c'est apparu là et tout, mais c'est exactement le même texte, j'ai trouvé que ah ça. Non, je pense que... Ouais. Ok. Bon bah, let's go. Tu peux récupérer les trucs qui sont dans le coffre, Lucie. Ouais, je les démontrerai. Mais de toute façon, surtout, on va arrêter l'épisode... Pour le moment, tu veux qu'on inspecte le camp là ? Allez, inspectons le camp. Hop. Une babiole pour toi, du pain et des pitons. Hop. Ok, un petit peu de pain pour c'est pour Damned. Je le pose dans l'inventaire, comme ça il a pas besoin de venir. Pas là, je l'ai mis dans l'inventaire, t'inquiète. Parfait. C'est hop bon. Là.
Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. On progresse tranquillement vers la prochaine zone, hein. C'était le plan, mais bon, il y a de la route. 3 épisodes après. C'est ça. On va y arriver, chef. Merci à toutes et à tous. À très vite pour la suite. Salut tout le monde. Bye bye.